Voici le groupe 55 du CFAI Val-de-Reuil avec Chloé Bouraïb, Pauline Picache et Manon Torel. Ils sont accompagnés de leur relais Laurence Daror et du metteur en scène Ulrich Ntoyo. Les apprentis effectuent un brevet professionnel art du service. Le thème abordé est l'apprentissage et le titre de leur scénette, La Porte Ouverte. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur le vol 777 à destination de Papeete, Tahiti. Je vous demanderai de bien vouloir remonter votre cachet-plan. Je suis le commandant Kinvé. Bienvenue à bord. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'irai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'irai ma meilleure vie. Bah les filles, c'est à cette heure-là que vous arrivez ? Oh, ça va. Tu vas pas faire la patronne, hein ? Ce n'est qu'une porte ouverte. Mais justement, montre le bon exemple aux apprentis. Ok, chef. Chef, on y va. Ah ! Pardon. Stop, c'est bon, on arrête là. Ok. Bon, on s'y met. Mais comme tu sais, le vendredi soir, c'est toujours très compliqué, les services. On sait très bien à quelle heure on commence. Mais jamais à quelle heure on finit. C'est l'hymne des serveuses. Eh oui. Mais hier, c'était un service de fou. On a vraiment couru partout. Ah ouais ? Ah vraiment, c'était... la catastrophe. On a même eu un client qui a trop abusé de l'alcool et a voulu repartir avec sa voiture. Alors avec les filles, on s'est organisé, on lui a piqué ses clés pour ne pas qu'il reparte chez lui. Et après ? Du coup, on a appelé la sauce à mi-ivre. Eh bien comme quoi, les serveuses ne sont pas que des simples porte-assiettes. Non, pas du tout. Mais les filles, pour être une bonne serveuse, il faut avant tout de l'humour, une grosse touche de patience, une connaissance des vins, de fromage, la provenance de chaque produit, reconnaître les clients fidèles, avoir de l'écoute, avoir une bonne organisation, être en forme même si ça ne va pas, avoir le sens de l'observation. Avoir une bonne mémoire. Mais tout ça avec le sourire. Mais dis donc, t'as été en coiffeur ? Ça te va très bien. Ouais. C'était pour vous faire, c'est pour ça. C'est vraiment délicieux. Pour avoir ce savoir-être et savoir-faire, il faut avant tout... L'apprentissage, c'est la porte vers la réussite. L'apprentissage, c'est le champ des possibles. L'apprentissage, c'est le plus court chemin vers l'emploi. Bonne dégustation.